Oui? Tu veux poser une question? D'accord? Bon, attends, on va passer le micro. Oui, je voulais dire, est-ce qu'on peut perdre le salut? Très bonne question. Tout le monde a entendu, hein? Voilà, le salut, est-ce qu'on peut le perdre ou pas? Et oui, tu as des gens qui vont te dire non, non, non. Et il faut expliquer. Non, on ne peut pas le perdre si on reste avec le Seigneur, parce qu'il nous en donne les moyens. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Parce que nous avons reçu un salut éternel. Donc, le Seigneur nous donne les moyens, par son esprit, par grâce, hein, pour pouvoir résister au péché. Voilà. Donc, dans ce sens-là, non, si on reste avec le Seigneur, parce qu'il nous donne les moyens de le faire. Mais si volontairement tu pèches et tu refuses de te repentir, si tu meurs comme ça, est-ce que tu vas aller au ciel? Non. D'accord? C'est pour cela que Hébreux 10 nous dit qu'il est impossible à ceux qui ont goûté aux choses célestes, hein, et qui ont été une fois illuminés, éclairés, et qui sont tombés, soit de nouveau amenés à la repentance. Voilà. Donc, il y a une doctrine, on en a souvent parlé, qui fait beaucoup de dégâts dans le milieu évangélique, c'est la doctrine de la double prédestination. D'accord? C'est une doctrine qui a été développée dans un premier temps par Augustin d'Hippone, qui est un de pères de l'Église, un père latin, qui a vécu au 6e siècle. Il a écrit beaucoup de livres. Il était beaucoup influencé par la doctrine d'Aristote, un philosophe grec, comme d'ailleurs la plupart des pères de l'Église. Et lui, il a écrit des livres sur le salut. Et Calvin, Jean Calvin, réformateur français au 16e siècle, va être beaucoup influencé par ses écrits, au point de développer officiellement la doctrine de la double prédestination, disant que certaines personnes sont prédisposées, préparées et prédestinées à la damnation éternelle, c'est-à-dire à l'enfer et au lac de feu, quoi qu'elles fassent. Et d'autres sont, n'est-ce pas, prédestinées au salut, au ciel. Et Calvin dit que c'est Dieu lui-même qui a fait les choses ainsi. Que des humains comme vous et moi naissent alors qu'ils sont disposés, prédisposés, destinés à l'enfer par Dieu lui-même. Alors, cette doctrine fait passer Dieu pour un méchant. Car le Seigneur, dans Matthieu 25, au verset 41, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement, je veux le lire. Matthieu 25, 41. Le Seigneur dit, alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. D'accord? Donc le feu éternel, le lac de feu, la seconde mort, la destination ou la demeure définitive de tous les impies, ce lieu-là, à la base, n'a pas été créé pour les humains, mais pour Satan et ses démons. D'accord? Malheureusement, selon Apocalypse 20, on nous dit que des humains comme vous et moi, ils seront jetés après le jugement dernier. Alors qu'à la base, ils n'ont pas été préparés pour ou créés pour souffrir éternellement. D'accord? Voilà. Donc, oui, si on pêche volontairement, si on refuse de se convertir, de revenir au Seigneur, si on meurt comme ça, eh bien, on ne va pas aller au ciel. Donc du coup, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans vos églises, pratiquent volontairement le péché, tout en se disant, eh ben, on est sauvé, on ne va plus perdre le salut, et vivons comme nous le souhaitons, faisons ce que l'on veut, et puis nous sommes sauvés. Non, le Seigneur a dit, on reconnaît un arbre comment? Voilà, par ses fruits. Voilà, on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, et la parole nous dit dans 1 Jean 3, celui qui pêche, c'est-à-dire qui vit dans le péché, est du diable. Voilà. Donc je sais que cette question soulève beaucoup d'autres questions et c'est bien, comme ça on va échanger un peu. N'écoutez pas, ne suivez pas les gens qui vous disent, vous êtes chrétien, oui, même si vous péchez, vous n'avez pas le salut. Quand ils prêchent, ceux qui prêchent comme ça, là, ceux eux-mêmes, ils sont dans le péché. Voilà. Et vont parler de la super grâce. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, nous dit Tite. D'accord? Voilà.